conférence Europlan est issue du programme européen qui accompagne le développement de plans et de stratégies nationales pour les maladies rares. Il faut savoir que ces conférences sont organisées sur le même modèle dans tous les pays européens par l'ensemble des alliances nationales maladies rares. L'Alliance Maladies Rares a souhaité organiser cette conférence car c'est un collectif de plus de 200 associations qui représente plus de 2000 pathologies et 2 millions de personnes atteintes de maladies rares en France. Nous avons souhaité organiser cette conférence afin de contribuer à alimenter tous les pays européens sur les questions maladies rares. Cette conférence Europlan nous permet de faire un état des lieux des politiques maladies rares en France et de réfléchir à ces évolutions. Il me semble essentiel de maintenir les maladies rares comme une priorité, d'abord parce que les problèmes rencontrés par les patients et les familles sont énormes. Un certain nombre d'actions ont été conduites depuis 10 ans, mais ce qui a été réalisé est bien moindre que les besoins qu'il reste à satisfaire. Donc ça, c'est une raison essentielle pour continuer la priorité. Le besoin aussi de conduire une action qui soit visible, parce que si on ne reconnaît pas la spécificité des maladies rares au sein d'une action qui est visible, alors elle se diluera et disparaîtra dans l'ensemble pour à nouveau retomber dans l'oubli dans lequel nous étions avant 2004. L'Europe est une opportunité parce qu'elle permet d'atteindre la masse critique pour chacune des maladies rares, mais aussi pour l'ensemble des maladies rares. La valeur ajoutée communautaire européenne est énorme et particulièrement forte dans le cadre des maladies rares, à cause de la rareté des malades, des experts, de la connaissance, mais aussi des ressources. C'est parce que nous adoptons des stratégies communes au niveau européen pour répondre à des problèmes communs qu'alors nous pouvons être plus efficaces, mais aussi être plus efficients sur le plan économique, c'est-à-dire apporter plus rapidement des solutions adaptées aux patients dans tous les pays et en tout point en Europe. Ce qui a été fait en France depuis 10 ans, inspire beaucoup au niveau européen, et la France a également inspiré un certain nombre d'actions menées par l'Europe. On voit bien que même pour un grand pays comme le nôtre, vu la rareté de ces maladies, agir au niveau européen est plus efficace, permet d'aller plus vite, d'aller plus loin et en même temps de faire reconnaître l'action de la France. Je trouve l'action des associations fédérées par l'Alliance Maladies Rares absolument exemplaire parce que c'est regrouper des associations de problématiques en même temps voisines mais différentes, de problématiques complexes. Et justement, cette conjonction d'efforts et le partenariat qui a été monté avec les professionnels et les chercheurs, avec le soutien des pouvoirs publics, bien sûr, est absolument remarquable. Et nous avons donc très envie, pour les patients et pour les professionnels, de continuer à soutenir cette action sur les années qui viennent. Je dirais grâce à vous, car les associations ont été des acteurs majeurs pour la mise en place du premier puis du second plan. Donc je pense que vous serez probablement les garants du fait que des moyens continueront à être dégagés pour pérenniser les actions qui ont été engagées, quel que soit le format que cela prenne. Je compte sur vous pour aller porter ces conclusions. Voilà, donc je pense que c'est une journée effectivement utile. Elle est particulièrement utile parce qu'elle tombe au bon moment, c'est-à-dire qu'elle tombe au moment où on arrive dans la fin du plan, on va faire une première évaluation, mais aussi au moment où la stratégie nationale de santé, qui devrait définir dans les années qui viennent les grandes orientations de notre système de santé et à partir duquel vont être déclinées énormément de mesures, eh bien est justement en cours de construction. Donc on est parfaitement dans le bon timing pour collectivement réfléchir ensemble et faire cette prise de conscience qu'il faut absolument avancer. Sans la mobilisation des malades à travers les associations de malades, il n'y aurait rien eu dans le domaine des maladies rares. S'il y a eu cette mobilisation aussi forte en France de l'ensemble des acteurs, c'est parce qu'à l'origine, il y a eu des patients, des associations qui se sont mobilisées et que ce soutien a été assez rapidement soutenu par un grand mouvement populaire qui est le mouvement de l'ensemble des donateurs du Téléthon. Je trouve que cette conférence Europlan permet vraiment de pouvoir échanger avec d'autres associations et ça nous permet en tant qu'association de nous sentir moins seuls
dans ce monde vaste et si particulier, et de pouvoir partager les mêmes sentiments et les mêmes choses par rapport à notre vie associative. C'est très, très intéressant et c'est enrichissant de se sentir moins seule. Alors pour moi, c'est primordial, c'est une question de survie, parce que c'est mon fils qui est malade. Je pense que c'est une question de bien commun et de respect de la nature de s'occuper de ces maladies rares. N'oublions pas que la cause des maladies rares est née d'une mobilisation associative. Alors, continuons le combat.